n'a pas changé. J'ai toujours eu un grand. T'as arrêté le sport? Lilian, vous seriez encore prêt à tout quitter? Famille, maison? Moi, je les ai déjà quittés. Ça fait tourner la tête de se voir tout cela. Pas là. Il n'est pas venu. On l'attend. En attendant Dany. Ça date aussi un peu ce logo. C'est pas un logo. C'est notre adolescence. Et notre seul futur. Je peux dire que depuis, j'ai pas trouvé mieux. Pour avoir un orgasme, maintenant, c'est galère. Quoi? J'aurais pas dû dire ça? Pour une prérogative irrévocable, que nul ne soit plus jamais astreint à obtempérer à un ordre, à s'agenouiller devant une autorité, qu'elle soit sociale, politique, idéologique, religieuse. Il s'agit maintenant de l'arracher au principe de l'exploitation pour le restituer au principe de la jouissance. Créative ou non, que la paresse se suffise à elle-même et ne se puisse confondre avec le sursis que la fatigue accorde au corps. Pour restaurer sa force productive, l'art est un cri qui jaillit de la détresse du vivant, approprié par le marché, bureaucratisé par l'affairisme. Il n'a cessé de dépérir en survivant dans la nostalgie de son passé. L'expression artistique doit être dans une civilisation l'émanation d'une vie que ne fût-il plus l'emprise mécanique de l'économie. Qu'elles sont difficiles.
Je me souviens que c'était le temps de toutes les expériences, de toutes les libertés et de tous les possibles. Ceux qui l'ont vécu le savent. Ceux qui ne l'ont pas connu ne savent pas ce que veut dire douceur et joie de vivre. I remember her. Tell me why I live and die. Where do I go? Follow the children. Where do I go? Follow the smiles. Is there an answer in their sweet face? Je me souviens que les hippies me fascinaient. Ça nourrissait et apaisait ma tête d'adolescente. Je peux dire aujourd'hui que certainement ils m'ont empêché de me suicider. Par la fenêtre de l'internat, au troisième étage, j'avais 10 ans, et je voyais en bas, dans la rue Saint-Joseph, l'enseigne peinte du théâtre du Chêne Noir. Le mot théâtre chantait pour moi comme des sirènes, et les élèves externes racontaient qu'il s'y passait des trucs, enfin, des choses interdites.